tout le monde, c'est Bitoon. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle petite vidéo. Donc les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc voilà, ça fait 3 jours ou 2 que j'ai pas posté vidéo. Donc voilà, c'est une petite vidéo PVP sur Mélorien. Voilà, donc le LP numéro 3 ou 4, je me rappelle plus trop. Donc voilà, ça faisait plusieurs temps que j'avais pas fait de vidéo. Donc voilà, du coup c'est une petite vidéo PVP là. Bon là il y a un petit mec qui a sauté, je vais juste aller le Z. Parce qu'il est pas bien stuff. On en plus d'ailleurs, mais voilà. Voilà, il va mourir du feu. Et voilà. Merci. Alors, il avait rien sur lui. Non, 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 non. Ok, bon, il avait rien sur lui. Tac, voilà. Donc, je vous présente un peu parce que là, je vais vous informer un peu de tout. J'ai changé de faction parce que Isox l'a réagi contre moi. En fait, il avait perdu 20 stacks d'obsidienne et il avait juste ragé contre tout le monde. Il a quitté tout le monde de la fac et après il s'en est recréé une autre. Donc, du coup, voilà, je suis plus dans la burn PVP. Je suis rentré dans la rage parce que j'ai repris contact avec un ancien pote, Nitrose. Voilà, donc c'est lui, c'est un pote, très bon pote que j'avais, mais j'ai repris contact avec lui. Donc, du coup, il m'a invité dans sa fac et je joue un peu à Meno lui aussi. Donc, c'est la rage. Donc, voilà, on est 5, on n'est pas, voilà, on n'est pas super riche, on n'a pas de FOM. Voilà, ça c'est notre fac. Donc je suis officier plus. Du coup voilà, j'ai accès à presque toutes les commandes. Alors il est stuff quoi lui? Oh merde. LOL. Parce que là je m'aurais fait défoncer. Oh c'est Jurek. Oh ça se PVP, non? Ah ouais d'accord, d'accord. Ok. Ils sont deux en plus. Ok d'accord. Il y a ton pote et de toute façon je suis même pas P4, je suis quitte je sais pas ton quoi là, je suis non, seigneur ou empereur, je sais pas. Ou duc. Bon je m'en vais avec, je sais pas trop. Ok, il y a personne, donc je vous reprends des quêtes du PVP. Ok d'accord, donc là j'ai allé PVP, il y a le mec, il m'a promis un V1. J'avais vu qu'ils étaient trois connectés, il m'a promis un V1. J'ai fait ok, c'est le mec qui était P4 là. J'ai fait ok, j'étais le même stuff. Hein. J'ai fait ok. Mais tu promets? Ouais, ouais. Ok, ça c'est mon façon que j'ai changé tout à l'heure. Du coup, il arrive. Il lui reste un cœur, il a TP. Voilà, je le EZ, il était nul au PVP, il était P4 par contre. Il est. Je le EZ, nul au PVP. Par contre, il a TP deux les mecs. Il a TP les deux mecs, Raze. Et l'autre, c'était qui? C'était qui l'autre? Dunk, voilà, Dunk. Voilà. Dunk. Et regardez ce que j'ai dit dans le chat. Voilà, c'était pas machin. Que des JK. 3v1, 2v1, jamais 2v1. J'ai raison. Paf! Je suis mute pour 10 minutes pour provocation verbale. Ok. Donc là, du coup, je suis un peu enragé. Donc je vais enchanter un peu des minerais, des choses en exonite et je vous reprends. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai vraiment pas beaucoup d'exonite. Je suis juste allé chercher ce que j'avais à ma base, à moi. Voilà. Tac. Alors. Ça, ça, ça. Donc je vais pouvoir que m'enchanter ça. J'ai 64 levels là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. P4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La merde. Ok. Merde, putain. Voilà, donc un petit P4. Ça fait plaisir. Dégage, dégage. Voilà, ça fait plaisir un petit P4. Ouais, il a pas eu trop, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Regardez ça, c'est mes P4. Donc, full P4, mais pas eu 3. J'ai que le les jambières et le casque. Et P4, U3, et puis 2, et ici P4. Voilà. Donc, c'est mes seuls P4. Non. Je vais vous montrer. J'ai un pantalon et des bottes encore P4, mais vous allez voir.
Puis c'est pour ça que je les range dans ma base parce que. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Donc les minerais, je redépose mes exolites. Voilà. Donc ça, ça va pas là. Aïe. Tac. Ça, je comprends pas. Tac. Voilà. Ok. Du coup, les amis, alors là, il n'y a plus grand chose à faire. Donc, du coup, ce que je crois que je vais faire, c'est que je vais juste vous présenter les coffres et ça va être tout parce que. Voilà, il n'y a pas eu de PVP. Bah, je les rec, mais je vais le couper au montage, quoi. Parce que j'ai rec le PVP, mais. Bon, je me suis fait insulter et tout, donc voilà. Je vais le couper au montage, quoi. Donc, voilà. Alors, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Donc oui, si vous demandez pourquoi j'ai encore le même stuff, c'est parce que je l'ai pris dans le dans les coffres à nitreuse, voilà, parce qu'il me laisse prendre un peu des stuff, mais pas trop. J'ai juste pris une fois ce kit là, et le reste c'est lui qui m'avait donné un don. Donc voilà. Donc du coup les amis, j'espère que ça vous aura plu un peu. Si vous n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Sur le TS, non, derrière l'autre. Ah ok, bon bah... Ok, d'accord, donc c'est bon, je me suis fait rencontrer par le mode de TS, donc pourquoi il voulait me rencontrer, ça fait deux fois que c'est pour la même chose, j'avais déjà réglé avec un autre modo, et là c'est cette fois-ci, c'était Sirac, voilà, qui voulait être sûr d'avoir bien compris, donc voilà, alors c'était pour double compte, c'est pas un double compte, en fait c'est que mon premier compte Meloria, ça a été Between YouTube, voilà, comme de tous mes launchers Minecraft, je m'appelle tout le temps Between YouTube. Donc mon premier nom, la première fois que j'ai joué à Meloria, c'était Between YouTube. Donc voilà. Alors après, il y a eu mon nouveau compte, voilà, Between for Life. Donc voilà, là j'ai joué à Meloria, j'avais lâché avec Between YouTube. Donc alors après, là par contre ils m'ont parlé, le premier modo que j'ai rencontré, il m'a parlé de Shtekilez. Et vraiment les amis, je vous le dis que j'ai jamais joué avec un compte qui se nomme Shtekilez. J'ai pas trop compris. Voilà, j'ai pas trop compris. Parce que ils disent tout que sur mon IP, il y a Shtekilez comme compte. Bon, j'ai pas trop compris, mais bon, après, voilà. Bon, j'ai pas trop compris, mais je leur ai avoué que j'avais jamais joué, mais que j'avais joué avec Between YouTube. Par contre, ça a l'air qu'avec Between YouTube, je me suis connecté le 23 mai. Donc aujourd'hui, on est le 31 ou le 1er, je sais pas. Le 31 mai ou le 1er de l'autre mois. Donc honnêtement, je sais pas. Parce que moi, j'ai dans les souvenirs que ça fait au moins 2 mois que je me suis pas connecté avec. Mais bon, voilà, j'ai peut-être fait une erreur, je sais pas trop. Donc voilà, les amis, c'est pour ça qu'ils m'ont rencontré le TS. C'est pas pour me mal et tout. Ils voulaient juste être sûrs. Et que je peux vous montrer que c'est la deuxième fois que je me fais rencontrer par un modo. Voilà, je suis Kilez. Deuxième fois, a été banni définitivement de plus d'un compte, deuxième fois, et Between YouTube, voilà, ça c'est mon compte, deuxième fois. Donc Shtekilez, voilà, c'est lui, aucune idée pourquoi c'est là, vraiment aucune idée, voilà. Donc du coup les amis, je vais vous présenter, vous avez déjà vu mes coffres, donc je vais vous présenter les coffres, voilà, de la Bepa Nitreuse, voilà, j'ai un home là-bas. Et je vais vous présenter ça après, ça va être la fin de la vidéo, et ouais. Donc ici il y a absolument rien, il y en a un petit peu de ce côté là, voilà, ici c'est un peu le débarras, voilà, il y avait un petit peu n'importe quoi et tout, bon après c'est ici, kit explorateur, minerai, voilà, pillage, et construction, voilà, ça c'est pour le save, vous l'aviez déjà vu, et après ici c'est les îles, voilà. Après, ici c'est les speed, voilà, ici c'est les fire, voilà, les régènes, les poisons, ici c'est les string, les anti-TP, les anti-chutes, et les ingrédients. Voilà, donc après, ici, pomme d'or, et les T5, pas juste les T5, mais voilà, des T5, épée de Bellorium et tout, voilà, les T5. Après ici, c'est le Pikachu 3, voilà, donc vous pouvez voir qu'il en a vraiment beaucoup. Pikachu 3, Pikachu 3, voilà, Pikachu 3, voilà. Donc après ici, c'est le Pikachu tout court, il en a pas beaucoup, Pikachu,
Voilà. Donc après ici c'est le kit chevalier. Voilà. Le kit duc. Voilà, c'était ça que j'ai testé fait tantôt. Voilà, kit duc et le kit empereur. Voilà. Donc du coup les amis, ça va être la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est que n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pas tellement positif, je vais quand même comprendre, mais juste pas insulter. Mais juste ça peut toujours être constructif, donc voilà. Alors les amis, si ça vous a plu, voilà. Abonnez-vous et bye bye. La tête nulle. Attendez. Voilà, on va faire le au revoir comme ça. Voilà. Allez, salut tout le monde. Bye bye.